Le train s'arrêtait, il repartait. Et une fois, il s'est arrêté, comme les autres fois. Bon, pour nous, c'était un arrêt normal, comme avant. Et puis d'un seul coup, les portes se sont ouvertes. Avec fracas, il y a eu des projecteurs qui nous aveuglaient. Et des gens qui passaient, là, qui criaient, ah, Auschwitz, enfin, ils nous disaient de sortir. On a été tout de suite séparés, les hommes des femmes, les vieillards des jeunes, etc., etc. Je n'ai plus vu ma mère, je n'ai plus vu ma grand-mère, j'ai plus vu mon frère, j'ai plus vu mon père. Ma mère qui essayait de nous serrer tous les trois, qui reçoit des coups de fouet pour les chiens qui aboient, les projecteurs qui vous aveugle, enfin c'est quelque chose d'horrible. On est complètement jeté dans un enfer. On comprend rien. On ne sait pas ce qui nous arrive. Dans ce train, il y avait un petit bébé qui était tout seul. Je m'en occupais, je l'avais dans les bras. Et comme la marche était assise, il n'y avait pas de marche, il fallait descendre comme ça. Je suis descendue et quand je me suis retournée, le bébé n'était plus là. Alors je n'ai même pas regardé où était mon père, rien. Il y a eu un moment d'affolement et je n'ai plus revu mon père. Nous avons été séparés sans même que je m'en rende compte. Il y a des personnes qui disaient « Jeunes, donnez vos enfants aux vieilles ». On pensait qu'elles allaient pouvoir marcher en car, ne pas faire de la route. Et il y a des mamans qui ont donné les enfants à des personnes plus âgées. Ma cousine Estelle, elle a cru qu'elle allait dans un camp de travail et que oui, parce qu'on pensait qu'il y avait un camp de famille. Et alors elle a donné ses enfants à sa belle-mère, ma tante. Je suis sorti du wagon, un peu hébété comme les autres. On ne savait pas du tout où on était, comment on était. On était un peu complètement pas affolé, mais enfin bon, étourdi. Et on s'est mis en colonne, on nous a mis en colonne. Ce qui m'a frappé, c'est ces hommes qui étaient en costume rayé. Enfin, moi, je me suis dit, ah, mais où est-ce qu'on arrive? On est quand même dans un endroit, chez des bagnards. On était complètement déboussolés, on ne savait pas du tout où on arrivait. On est arrivé devant un aréopage de militaires, le médecin du camp en blouse blanche, le commandant du camp et tout ça. Ça vociférait, ça criait, ça tapait. Et c'était alors là la sélection. On ne savait pas que c'était une sélection. On mettait les gens à gauche, à droite, selon leur âge. Les jeunes à droite, les vieillards, les impotents, les enfants à gauche. Et on met ma belle-mère d'un côté et la maman, il me met de l'autre. J'ai voulu la suivre parce que j'ai dit d'abord, j'étais avec elle tout le temps, j'ai voulu la suivre. L'Allemand, il me repousse là, il m'avait mis. Automatiquement, avec la badine, les Allemands, ils faisaient passer d'un côté, ils faisaient passer de l'autre. Moi, comme j'étais jeune, j'avais 19 ans, quoi, on m'a dit, par là, ma mère, les deux petits frères, on a dit, vont dans un camp de famille. Vous avez des personnes qui avaient 40 ans, par exemple, qui avaient tous les cheveux blancs. C'était tellement rapide avec la tête, ils envoyaient directement dans les chambres à gaz. Et ils voyaient la personne, il fallait qu'elle soit jeune et costaud. Hein. Moi, j'ai eu une chance, un peu une chance unique. Si on veut une chance unique, parce que des jeunes de mon âge, il n'y a pas beaucoup qui sont rentrés, il n'y en a pratiquement pas. Pas que j'étais une des seules, je ne sais pas si on était 5 ou 6, je ne sais pas, on n'était pas nombreux, on ne rentre pas. C'est-à-dire, moi, j'avais une corpulence assez développée. Et je suis passé naturellement avec les hommes.